Cinq jours après le massacre des civils, le reste de la population ne fait que vider le village Nzenga Kasusu et ses environs en direction inconnue supposée sécurisée. Le président des forces vives en secteur de Rwenzori, M. Ntoku Kinanga George, déplore la paralysie des activités socio-économiques en groupement Bolema et Malambo. Les militaires sont déjà sur terrain. Ils ont dit réellement qu'ils seront ici jusqu'à ce qu'ils puissent poursuivre l'ennemi jusqu'au dernier détail. Et même ceux qui sont partis, nous les demanderons de retourner encore une fois au milieu parce que la paix d'ici là sera retrouvée. De leur côté, les conseils locaux de la jeunesse en secteur de Rwenzori, commune de Boulongo et Lume, soit leur deuxième journée de deuil ce mercredi 16 décembre. Pendant ces deux jours de deuil, l'armée congolaise est sommée de trouver des pistes et des solutions à cette sécurité qui sévit dans cette partie du territoire de Beni depuis le 18 février de l'année en cours. S'inquiète Bernard Mouke, président des jeunes. Nous interdisons toute circulation des engins roulants, des particuliers et de la MONUSCO qui est fin mandat et des personnes sur toutes les étendues du secteur et des communes de Lume et de Boulongo au-delà de 20h30. Nous suspendons des attroupements et tapages nocturnes qui profiteraient à l'ennemi. Sollicitons des patrouilles mixtes FRDC, PNC et jeunesse pour consolider le mariage civilo-militaire. La situation sécuritaire en secteur de Rwenzori a été jugée précaire ce mardi dans une réunion de sécurité tenue au bureau de cette entité à Mutuanga. Il s'est précisé que vendredi soir, les rebelles présumés du groupe armé ADF ont attaqué le village Kasusunzenga où une vingtaine de personnes étaient tuées, une vingtaine d'autres portées disparues aux côtés des maisons et sentiers et d'autres dégâts matériels.